J'ai les questions ici. Bonjour Yann. Bonjour Régis. Alors, on va attaquer tranquillement. Vas-y. Commençons par parler un peu de toi. Car malgré que tu fasses un travail superbe au service des amateurs de Rome, tout le monde ne te connaît pas. Peux-tu te présenter un peu personnellement ? Donc je m'appelle Yann, je viens d'avoir 38 ans, j'ai fêté ça avant-hier. Je suis manipulateur. Dans la vie, je fais pas que du rhum, parce que à savoir, c'est que ce que les gens oublient quand ils postent sur Facebook ou quoi que ce soit, c'est que c'est pas forcément notre métier. Moi, c'est pas mon métier, je suis manipulateur radio, donc j'ai un petit job à temps plein et les compagnons du rhum, c'est mon deuxième job quand je rentre le soir ou quand j'ai une pause ou j'essaye de répondre vite aux questions. Donc voilà, je suis marié, j'ai un enfant, voilà, j'ai ma vie de famille, ma vie de famille aussi, en plus des compagnons du rhum. Alors, comment en es-tu venu à t'intéresser au rhum ? Alors, tout a commencé il y a une petite dizaine d'années, on va dire, où j'avais un couple d'amis antillais qui sont revenus de la Guadeloupe. Et en fait, moi j'étais vraiment pas alcool du tout, mais aucun. De temps en temps, comme tout le monde, un petit verre de vin blanc sucré, ou un petit rosé, ou du champagne, mais sinon, franchement, je suis pas amateur de vin spécialement, pas amateur d'alcool du tout, aucun. Et ils sont revenus de vacances, et puis ils m'ont dit, tu veux boire quelque chose, donne-moi un coca, hein, comme d'hab. Ah bah tiens, j'ai ça, c'est un rhum de la grand-mère, elle nous a ramené ça, c'est fraîchement sympa, tu veux goûter? Oh non, vas-y, mais goûte, c'est vraiment sympa. Ok, donc j'ai commencé à goûter ça, et là, mes yeux, ils ont fait plouf, fait « Oh putain, c'est bon !» Ah mais c'est bon ça. Et puis bah en fait, au cours de la soirée, la bouteille n'y est pas passée, mais à nous deux, on s'est bien attaqué les trois quarts de la bouteille. Elle faisait là, ça. Il y en avait un peu moins que ça encore. Tu vois, ah ouais. Il y avait quand même, on a bien fêté, j'avais vraiment bien apprécié, ça passait tout seul, hein, bien. Donc, mon premier rhum guadeloupéen. Et puis là-dessus, je me suis dit, pourquoi pas essayer de s'acheter autre chose dans le rhum et puis voir si ça me plaît. Et puis j'ai acheté d'autres choses et j'ai commencé, comme je suis quelqu'un qui aime bien s'informer, j'ai commencé à m'informer, et puis de plus en plus. Et puis, un jour, lors d'une soirée avec mes cousins, nos pères buvaient du whisky, et on s'est aperçu que tous les cousins, eux, buvaient du rhum. Donc l'ancienne génération était sur whisky, la nouvelle génération était sur du rhum. D'où des discussions, toi tu bois quoi, ok. Et puis on se parlait via Facebook et puis un jour un de mes cousins, Bruno, a dit « Mais tu connais pas, il y a des pages Facebook, pourquoi est-ce que tu ferais pas ta page Facebook, ça serait plus simple ?» J'ai dit « Pourquoi pas ?» Moi je suis assez réactif. 3 secondes plus tard, le groupe Zubida. Est né. Le groupe est né. Moi ne connaissant rien du tout au niveau des groupes Facebook ou quoi que ce soit, on s'est appelé comment ? Les Compagnons du Rhum. Non ! Non ! Le premier nom des Compagnons du Rhum n'était pas les Compagnons du Rhum, le premier nom était la Confrérie du Rhum. Je ne savais pas que ça existait. Donc, on s'appelait, pour moi, j'aimais bien le Seigneur des Anneaux, la confrérie, le Rhum, le partage, tout ça, je trouvais ça sympa. Donc du coup, on s'est appelé la Confrérie du Rhum. Et puis, ça restait strictement dans le cadre familial et régulièrement, j'avais des notifications comme quoi il y a des personnes qui voulaient s'inscrire et rentrer dans le groupe. Ce que je n'ai pas fait. Et puis, au fur et à mesure des discussions, le temps passait, et je voyais, ça augmentait. Et j'ai soumis à la famille et aux amis l'idée d'ouvrir cette page pour plus d'échanges encore, puisqu'on aimait bien déjà cette page à la base, c'était vraiment dans le but d'échanger. Mm-hmm. Un échange simple, de bons plans, tiens, t'as vu, je sais pas si on peut dire des marques, mais Carrefour, et la vignerie, ou truc, il y a une promotion sur le Toucan, sur le truc, tu peux aller voir, c'est pas mal, ok. Donc on se donnait des astuces, je me suis dit, pourquoi pas l'ouvrir à plus de gens, comme ça on aura plus de chances de partager, d'apprendre plus de choses, puisque moi j'adore apprendre aussi, et plus d'astuces. Pareil. Voilà.
Donc du coup, on a ouvert la page et puis ça a commencé à grossir. Et puis je me suis dit, ben, pour pouvoir alimenter ça et connaître un petit peu mieux les choses, il va falloir que je me bouge encore plus et que je sollicite les grandes maisons. Donc les premiers que j'ai sollicités, je pensais vraiment à un des premiers que j'ai sollicité. Mais bon, ça a fait rigoler, mais, mais comme quoi, je prône ça depuis le début, on est tous passés par là. Donc j'ai sollicité Clément, qui a répondu favorablement, qui a envoyé deux bouteilles, je crois. J'ai sollicité Kraken. Ah, moi aussi, hein, j'ai commencé avec le Kraken. Donc c'est là-dessus que je me suis, pour une anecdote, à un nouvel an, je me suis bu avec un ami un Kraken à deux. D'accord. On s'est fini la bouteille d'accord. de Kraken à et deux. Et tu ne peux plus rien manger de sucré parce que t'avais les mains qui tremblaient comme ça. Ok, donc en fait, on est parti là-dessus. J'ai commencé à solliciter les maisons. Et puis, petit à petit, on a grossi. Jusqu'à ce qu'on me dise, comme quoi, il fallait encore plus solliciter et organiser des soirées. Mais ça, c'est notre histoire. Comment on en est arrivé à organiser des soirées ouvertes au public? Parce que je pense que tu as d'autres questions. Oui, ouais, il y a plein de questions. Donc, vite fait, là, comme ça fait combien de temps que tu bois du rhum? J'ai commencé il y a une dizaine d'années. Après, ça fait déjà un bon moment, quoi. Ouais, un peu moins de 10 ans, parce que Raphaël était vraiment bébé. Donc, on va dire, Raphaël, c'est mon fils. Raphaël était bébé, donc il a 9 ans, je devais avoir 8 ans. Un petit genou pour toi. Non, parce qu'en fait, non, pas du tout. J'ai commencé vraiment à m'y intéresser et à vouloir tout savoir et tout connaître, et alors que je ne connais toujours rien et je sais toujours rien, parce qu'il y a plus on en sait, plus on se rend compte qu'il y a énormément de choses à apprendre. Il y a trop. Ouais. T'ouvres une petite porte et là tu te rends compte que derrière la porte, En ce moment, j'écris, je prépare pas mal d'articles, et à chaque fois que je commence à avoir une idée sur un article, que je me renseigne sur cette idée-là, j'ai deux autres idées d'articles qui se greffent dessus. Donc normalement, des fois, il faut se focaliser un petit peu. Après, il y a des choses que j'ai mises un petit peu de côté, d'autres sur lesquelles j'essaye de suivre, d'être plus au taquet, plus suivre. Maintenant, l'idée de la page, on reviendra sur des questions, mais c'est vraiment pas de se focaliser sur un type de rhum. C'est le partage. Voilà. Et donc, pourquoi on en est arrivé aux Compagnons du Rhum? Parce que j'ai été contacté, comme ça commençait à augmenter un petit peu, j'ai été contacté via mail par Benoît Bayle, qui m'a dit comme quoi c'était un nom qui était protégé. Ce que je comprends, et donc il m'a invité à changer de nom. J'ai sollicité ceux qui étaient déjà à l'époque confrères du Rhum, à demander exactement dites-moi quel nom vous trouvez sympa. Bien sûr, on va se faire en sorte que ça n'existe déjà pas, hein, histoire de ne pas se prendre la tête avec tout le monde. Et ça s'est bien passé avec Benoît, j'ai pas eu de soucis, il m'a juste informé ce que je ne savais pas, puisque je débutais, et je débute toujours d'ailleurs. Et donc, on a changé, il y a eu plein de propositions, j'ai fait un petit sondage, et puis il est ressorti du lot un petit peu les Compagnons du Rhum, encore une proposition d'un de mes cousins. Et donc on est parti là-dessus. D'accord. Parce que compagnon, j'aimais bien l'idée de... Ouais, compagnon. Je trouve que c'est super. Normalement, compagnon, je peux me tromper, mais il me semble que, étymologiquement, compagnon, c'est ce qui partage le pain. Oui. Donc, il y a du de coup, ça, compagnon du Rhum, c'est... On partage... On partage dans les métiers, c'est ceux qui partagent leur savoir-faire. D'où le logo aussi, ou... Parce que j'ai vu que dans les distilleries, des fois, ils ne faisaient pas trop attention. Je crois que c'est Florent Buchet qui m'a fait la remarque. Il n'avait pas remarqué que c'était des... Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est des... Vu de dessus, des bonhommes qui sont autour d'un fût. Quatre bonhommes qui se tiennent et qui tiennent un verre autour d'un fût et de quatre verres de rhum. Ouais. Voilà. Non, il est super bien trouvé. Donc ça, c'est parti aussi, ce logo-là. Il est parti de...
de Julien, qui est administrateur du groupe, qui a vu quelque chose qui s'en approchait, et on a travaillé dessus avec un designer et pour arriver à ça. C'est une super histoire. Voilà. Moi j'adore, franchement, j'ai trouvé, quand je l'ai vu la première fois, merci. Je l'ai trouvé vraiment super, mais ça prône vraiment le partage. C'est ça, avec une certaine simplicité, parce que j'espère que, et j'aime bien l'idée que notre groupe est un groupe simple, où on ne se prend pas la tête, on ne se prend pas Je trouve aussi, oui. Voilà. Alors, tu l'as un peu évoqué quand tu as commencé un peu à en parler de ta tombée dans le rhum. C'est quoi ce premier rhum qui t'a ouvert les yeux? Franchement, je peux même pas te dire si c'était... Si c'était un truc fait maison ou si c'était, enfin, tu vois, des fois il y a des petites choses qui se donnent. Un arrangé ou c'est non, c'était pas un arrangé, c'était un rhum vieux, et je l'ai bu sec à température ambiante puisque m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait le boire. Donc moi je l'ai bu comme ça, et mais c'était pas non plus arrangé ou après j'y suis arrivé un peu plus par la suite, mais non c'était un rhum vieux. La marque, je ne sais pas, je peux même pas dire. Mais j'ai juste vu que j'aimais ce rhum vieux sec. Ça t'a fait plonger dans le rhum. Voilà, exactement. Alors, tu en as un peu parlé. Ça fait un moment donc, que tu gères cette page. Comment tes amis, ta famille, bon, apparemment ta famille est bien présente sur le groupe, voient ta passion? Elle n'est pas trop envahissante? Comme toute passion, une passion, c'est forcément... Pour ceux qui la partagent avec toi, c'est forcément entraînant, forcément une passion, c'est toujours envahissant. Parce que ça prend, quand on est passionné, on en parle, on le vit, donc forcément, si la personne suit ta passion, ça va. Si la personne, ça la gonfle, bah forcément, tu la gonfles. donc j'ai la chance d'avoir une femme qui me suit assez... Dans mes différentes passions, parce que j'ai pas que je suis un peu un hyperactif de ça se voit, hein, je publie beaucoup, je suis assez réactif. Je suis toujours épaté du nombre de publications que tu peux faire. C'est comme ça, c'est tout ce que je fais, j'essaye de le faire de façon très très active au boulot, j'essaye d'être comme ça. J'ai cette passion là, je fais beaucoup de sport aussi, donc voilà, j'essaye de consacre du temps pour ma famille. Oui, c'est ça la question que je me pose. Comment tu arrives à trouver du temps? J'essaie vraiment d'optimiser mon temps pour que chaque chose que je fais, ça soit. C'est ça aussi, les gens qui sont un peu avec des tocs, quoi, tu vois. Moi, quand je vois un truc, je me dis, tiens, faut que je débarrasse une table, je vais regarder le plateau, je vais dire, bon, si je fais ça, comme ça, bah, ça va me faire porter moins de bouteilles, alors je vais faire comme ça, et je vais prendre ça dans ma main, et quand je vais revenir, je vais prendre ça, pour optimiser, pour que ça prenne le moins de temps possible et que ça soit le plus efficace possible. Je suis pas du tout comme ça. En plus, bon, bah, moi, au niveau que tu m'as parlé de mon histoire qui m'est propre, c'est que j'ai été quand même pendant 5 ans dans l'armée. Ah oui, j'étais pas forcément très carré, mais bah, l'armée, clairement, ça te formate un petit peu. C'est comme ça, et des fois, ben, ma femme elle a une autre activité aussi, et elle a d'autres passions, et des fois, ben, on est dans le lit, on regarde la télé, puis on est avec les portables, et puis on répond à nos trucs, et puis on fait ça, puis on parle, et puis hop, comme quoi, pour vous mesdames, hein, les garçons peuvent aussi faire plusieurs choses à la fois. Si vous dites que c'est pas vrai, c'est juste parce qu'ils ont pas envie, quoi. Ça dépend lesquels. Ouais. Vrai que j'arrive à faire certaines choses, enfin plusieurs choses à la fois, mais il faut pas que ça soit deux choses intellectuelles. D'accord. Si je peux faire une chose manuelle et une chose intellectuelle en même temps. Mon métier me l'oblige, donc j'ai l'habitude de procéder comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis manipulateur radio. Il faut que j'ai un œil sur ma machine, il faut que j'ai un œil sur mon patient. Bien souvent, on a des élèves, donc il faut qu'ils me sollicitent aussi. J'ai l'habitude d'être. On nous appelle, nous, les manip radio, on est un peu des pieuvres. C'est-à-dire qu'on a 12 mains et on fait des trucs. Bien souvent, j'ai déjà deux écrans ici. J'ai l'écran qui concerne l'examen, derrière il y a le patient, donc il faut que j'aille aussi sur le patient. Derrière il y a le médecin, donc il faut que je fasse attention à ce qu'il dit aussi. On a aussi deux ordinateurs pour ce qui est la gravure, la reproduction d'images, etc. Donc on est tout le temps multitâche. Donc pour moi ça fait partie de mes habitudes, c'est mon quotidien, quoi. D'accord.
Alors, une dernière petite question pour parler de toi. Une petite question bête, parce que moi j'aime beaucoup ça, j'en fais pas mal. As-tu déjà fait quelques rhums arrangés ? J'en ai fait quelques-uns. J'ai vite arrêté parce que je suis pas forcément très très doué. J'en ai fait pas mal, dont je suis assez fier. Je te ferai goûter d'ailleurs si tu veux. Bon, c'est pas non plus top, mais moi, non, c'est vrai que t'en parles pas beaucoup en fait. C'est parce qu'en fait, je pense que vraiment c'est extrêmement complexe parce que moi j'aime bien s'y maîtriser, essayer de réfléchir, intellectualiser les choses. Et pour moi, il y a trop de variables. C'est-à-dire que déjà, il va falloir. C'est comme quand il a fallu. J'ai un petit tonneau qui m'a été offert. Il a fallu que je choisisse mon rhum blanc et si j'allais faire un finish, pas de finish, comme ça. Mais je me suis pris la tête pendant 6 mois à réfléchir ce que j'allais mettre dedans, quelle tournure je voulais que ça prenne. Et au niveau des rhums arrangés, ben ça m'ennuie vite en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si c'est comme pour, je cuisine aussi, j'ai l'impression que si j'en mets trop, ça va tout sort. Ça fait partie des choses. Un rhum, il faut savoir arranger, il faut savoir limiter les choses dedans. C'est ce que j'explique dans mon livre. Oui. Au début, limiter à 2 voire 3 ingrédients maximum. Après, moi, j'ai toujours tendance à vouloir dire tiens, je rajoute un petit truc, machin. Ah, ça fait trop. Ça fait trop vite. En plus, chaque ingrédient a des capacités de macération différentes. Mm-hmm. Certains avec le temps vont prendre le dessus sur d'autres, etc. Ça peut très vite justement devenir compliqué. Et étant donné que j'aime de moins en moins les rhums, enfin ce qui est sucré, faut apprécier. Je me dis là je me retrouve avec des rhums arrangés et j'en fais quoi parce que je les bois pas. Donc, ouais. Ça sert à rien de vouloir arranger des choses. C'est vrai que j'ai eu pendant une longue époque des rhums arrangés sucrés qui prennent de l'âge. Et puis tous les derniers rhums que je fais, à part le dictateur maison, d'accord. La plupart des rhums que je fais ne sont pas sucrés. Mmh. Les rhums arrangés que je fais, ils ne sont pas sucrés. Le dernier là, que j'ai fait avec le clairin et jus jaune, c'est peut-être le meilleur rhum arrangé. Peut-être que tu arriveras à me convaincre de m'y replonger un petit peu. Pour l'instant, faut savoir. C'est ça aussi, ça fait partie de. Tu dis, comme quoi il faut. Il y a des choses qui prennent du temps, c'est vrai. Il faut savoir aussi se focaliser sur certaines choses et accepter d'en oublier certaines. Et les rhums arrangés. Avec ta remarque, peut-être du coup, je vais peut-être revenir dessus, pas pour en faire moins, mais peut-être pour alimenter plus la page. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui ont des suggestions à faire, je suis ouvert à tout. Ce que vous ne voyez pas aussi, c'est que ce qui se passe, la page, c'est vraiment ce que vous avez devant les yeux, mais en fin de compte, tout ce qu'il y a derrière, c'est tout un monde aussi. Parce que la sollicitation en mail privé, c'est juste aussi impressionnant, quoi. Je me lève le matin, vous avez 67 nouveaux messages. D'accord. L'autre fois, je me lève, j'étais en train de me brosser les dents, mon téléphone s'arrêtait pas. C'était un compagnon du Rhum qui habite, je crois que c'était au Kenya, ou qui avait besoin de renseignements parce qu'il avait. Donc je me dis, il a besoin tout de suite, parce qu'il devait préparer un cocktail, je ne sais plus ce qu'il devait faire. Il avait une sollicitation, je ne me rappelle plus ce que c'est exactement. Et dès le matin, il fallait que je sois au taquet. Des fois, tu te lèves le matin. C'est un sacré service, c'est un service qui se fait payer généralement. Ça fait partie du partage pour moi. Oui. Ça fait partie de ce qu'il y a à faire, ça fait partie du taf. Bon, pour la deuxième salve de questions, on va peut-être se mouiller un petit peu la bouche. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on déguste ? Ben écoute, moi j'aime bien les choses que je ne connais pas, donc à vrai dire, ça c'est le l'ESB. Celui-là j'ai jamais goûté. En plus, elle est ouverte. Il est très bien, il est facile à boire, tranquille. Moi je l'aime bien, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est vidé comme ça. C'est qu'il se boit tellement facilement qu'on ne le voit pas partir. Merci. Voilà. Et puis on va faire santé les compagnons. Santé, on va trinquer.
Et oui, le réflexe, toujours le mettre au nez. Ouais. Toujours là, c'est la Martinique, donc de boisé, mais surtout très agrume. Moi, j'aime bien, c'est qu'il est, il a pas une attaque franche au niveau de l'alcool. Non. Non, justement, il est très facile. Donc, on va attaquer la question suivante sur le groupe Facebook. Okay. Donc, les groupes Facebook sur le rhum se sont multipliés ces dernières années. Il y en a vraiment beaucoup. Oui. Moi-même, je suis inscrit dans pas mal de ces groupes. Moi je ne publie pas forcément dans tous. Je ne vais pas tous les voir, mais je suis inscrit dans pas mal de ces groupes. Et beaucoup d'amateurs trouvent que cela en fait trop. Qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, moi je trouve que selon le groupe auquel tu t'intéresses, on n'a pas tous la même ligne d'horizon, la même ligne de conduite, la même façon de faire les choses, la même façon de publier. C'est vrai que, je veux dire, quand il y a une sortie de bouteille, ben, elle l'est pour tous les groupes. Hein. Donc forcément, si tu publies la même chose que A, B, C, D, ben, on va te dire, ben ouais, mais tu fais pareil, alors pourquoi est-ce que je vais aller dans ton groupe ? Et si tu ne le publies pas, on va dire « Ah, bah tu fais de l'élitisme, pourquoi tu ne publies pas ? Pourquoi tu boudes ça ? Pourquoi tu ne veux pas nous en parler ?» Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que sur la plupart des publications, voilà ce que je fais. Alors tu vas voir, tu veux ma journée type au niveau de la publication, voilà comment ça se passe. Je me lève le matin, première chose que je fais, j'enlève le mode avion parce que si je ne mets pas de mode avion le soir, c'est juste c'est pas possible, je repars. J'en connais une qui fait la même chose que toi. Encore les compagnons. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des compagnons en France, mais il n'y en a pas qu'en France. Ouais. Déjà, rien qu'au niveau des dom-toms, on a un décalage horaire. On a des compagnons qui viennent du Canada, on a des compagnons qui viennent d'un peu partout du monde. Il y en a qui viennent du Japon. Alors si à chaque fois, il faut se caler sur le fuseau horaire de chacun, ouais. Ben, tu dors pas. Donc ce qui se passe le matin, c'est que j'enlève le mode avion, je consulte un petit peu les mails privés que je reçois pour voir un petit peu faire l'état des lieux, à savoir qui me pose des questions, etc. Ensuite, j'essaye de regarder au niveau des notifications, parce que j'ai deux comptes, j'ai mon compte perso et j'ai mon compte pro. Tout à fait. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi, c'est bien de venir là-dessus, de préciser, pourquoi est-ce que j'ai deux comptes ? Pas parce que j'ai pris le melon et que je me sois suffisamment pro, parce que j'ai mis Yann Leuf pro, mais c'est pas parce que je suis un pro, c'est juste parce que c'est pas mon perso. Pourquoi faire le choix de ne pas mélanger les choses, c'est que sur mon compte perso, c'est des choses pour ma famille, avec des photos de mon fils qui regarde mon oncle, ma tante, mes cousins, mes amis, mais ne regarde pas forcément tout le monde. Je suis d'accord. À partir du moment où lui-même plus tard va grandir et à partir du moment où je ne sais pas ce que sera sa vie, ce que sera sa carrière, j'ai pas envie que Pierre, Paul, Jacques ait eu accès à des parcelles de sa vie où il se retrouve cul nu à sauter dans la piscine alors que il a peut-être une carrière politique ou une carrière, je ne sais pas quelle sera sa vie, donc je ne veux pas que certaines personnes aient accès à ça, sachant que on ne sait pas qui est-ce qu'il y a derrière ces écrans, c'est-à-dire que il y a des gens bien, mais il y a des gens qui sont pas bien. Et donc il faut savoir aussi se protéger et protéger surtout sa famille. Donc vous le voyez pas forcément toujours, mais des fois en mail privé, il y a des gens qui sont extrêmement agressifs. Je connais ça. Et il y a des gens qui ne comprennent pas que on puisse être extrêmement friendly, être extrêmement sympa avec eux, et c'est pas un jeu. Je suis sur la page comme je suis dans la vie, c'est-à-dire que j'aime bien discuter, j'aime bien échanger, j'aime bien qu'il y ait une bonne ambiance, etc. Mais c'est pas pour ça que tu peux rentrer dans mon chez-moi, dans mon cercle familial. C'est pas pour ça que je ne t'apprécie pas pour autant, c'est pas pour ça que j'ai pas envie de discuter avec toi. C'est juste deux choses différentes. Il y a deux choses différentes, il y a une barrière, et je suis pas obligé, comme tu as dit, la passion ça prend de la place, il faut pas que ça envahisse ma maison.
Donc à partir de là, quand j'ai eu certaines agressivités parce que je reçois des demandes d'amis et je n'y répondais pas favorablement parce que je trouvais que ce n'était pas adapté, et ben c'est pour ça que j'ai créé ce compro. Comme ça, ça permet de pouvoir accepter ces personnes-là, ou moi-même après je vais vers ces personnes qui me demandent en ami en privé et je bascule sur le pro et il n'y a aucun problème. Et au contraire, j'aime échanger. Sauf que les photos que je publie de Noël ou quoi que ce soit de ma famille, ben je veux que ça reste ma famille et que ça ne soit pas les compagnons du Rhum. Et que quand je fais des publications sur les compagnons du Rhum, j'ai pas envie de saouler toute ma famille avec mon HSE, mon truc, mon machin, mon bidule. Même un jour, un cousin m'a dit... Avec écoute, super HSE élevé sous bois. Exactement. Martinique. Peu importe les bouteilles, au bout d'un moment, eux, ça les saoule. C'est pas leur truc. Donc, je veux pas les envahir avec mes publications, et mes sollicitations, mais ce que tu veux. Donc, il faut savoir mettre une barrière au niveau de ta passion. Donc, c'est ma passion, c'est pas la passion de toute ma famille et de tous mes amis. Donc, ceux qui veulent participer à cette passion avec moi sont les bienvenus et rejoignent le groupe, mais mon compte reste incompris. Voilà. Et c'était quoi le début de ta question, puisqu'on a des C'était par rapport au fait qu'il y a de nombreux groupes Facebook. Nombreux groupes Facebook. Mais tu as répondu, c'est que chacun en fait a sa philosophie, chacun a sa façon. Voilà, il y en a qui vont être très agricoles, il y en a qui vont être très mélasses, d'autres qui d'ailleurs, vont être très généralistes. Ils le disent dans leur nom. Exactement. Donc, les rhums blancs. Moi, je ne critique pas. Après, il y a des façons de faire qui sont plus ou moins, à mon sens, ma vision, et encore ma vision, c'est ma vision, c'est pas la vision de tout le monde. Des fois, je trouve une certaine dureté dans les paroles. Ça, je n'accepte pas au niveau de la page. Parce qu'on a tous débuté. Comme on a dit tout à l'heure, tu t'es tapé une kraken. Moi, j'en ai acheté. J'ai acheté du Don Papa, j'ai pas honte. J'ai acheté des bouteilles qui sont. Qui ferait tomber des dents et pas lire plus d'un en disant mais attends le mec il a bu ça, ben oui j'ai bu ça, ben oui mais on débute tous. On débute tous quelque part, il y en a qui débutent directement avec du rhum martiniquais. Donc est-ce que après je critique d'autres, est-ce que je critique l'arrivée de d'autres groupes, est-ce que je critique le fait qu'il y ait plein de groupes, je dis non, je dis juste que on a tous le choix d'appartenir à un groupe et de rentrer dans un groupe ou d'en sortir. Si ça te saoule, il y a des façons. Soit tu cliques sur le côté et tu fais quitter groupe. Tu cliques sur le côté et tu mets voir moins de publications de ce groupe. Ou il y a une autre façon, c'est que tu as moins de publications. Je veux dire, c'est facile si au bout d'un moment tu trouves que je suis chiant parce que je suis le mec hyper actif et tu te lèves le matin, tu as déjà 17 notifications. Il y a 9 à publier, et ça te saoule. Mais tu cliques et tu mets voir moins de publications de ça. Et après, du coup, de toi-même, tu vas sur le groupe et tu scrolles et tu choisis ce que tu as envie de voir et ce que tu n'as pas envie de voir. Tu veux, comme quand des fois on publie sur des choses, comme une fois j'ai été critiqué parce qu'on avait publié sur le Diplomatico et ça a saoulé quelqu'un parce qu'il a dit c'est bon, on en a déjà parlé sur tous les groupes, trucs, machin, bidule, pourquoi on revient dessus ? Parce que ça, tous les jours, il y a des nouveaux qui découvrent exactement. Le Diplomatico. Tous les jours, j'accepte, j'ai des demandes d'ajout. Tous les jours, j'accepte des gens. Eux, je ne sais pas leur niveau de connaissance au niveau du Rhum. Et les groupes sont là. Les compagnons du Rhum existent pour eux, pour tout le monde. Aussi bien pour ceux qui ont envie de savoir que prochainement, Foursquare va faire... telle sortie, ou... c'est bizarre que je parle autant de Foursquare. HSE va sortir ça, ou Trois-Rivières, la nouvelle gamme, Bartender, truc machin, bidule. Il y en a qui ont besoin de ça, et il y en a juste qui ont besoin de savoir que telle bouteille, ça va leur correspondre ou ça ne va pas leur correspondre. Après, c'est facile, il n'y a qu'une chose à faire, encore une fois, tu scrolles. Ça, tu veux parler, tu parles, tu veux pas parler, tu pars pas. Tu veux lire, tu lis. Tu veux pas lire, tu lis pas. Je pense faire suffisamment parler d'une journée type. Donc moi, tu vois, ce que je fais, c'est que déjà, je commence à regarder au niveau de mes mails privés. Ensuite, je regarde au niveau des notifications. Et après, je regarde un petit peu ce qui se passe sur la toile pour voir ce qui peut être pertinent, ce que j'ai envie de publier ou ce que j'ai pas envie de publier. Après, j'ai d'autres astuces pour pouvoir essayer de trouver d'autres infos qu'on ne retrouve pas justement pour pas que ça soit trop redondant.
J'essaie de trouver d'autres infos ailleurs, j'ai d'autres méthodes pour essayer de trouver d'autres contacts, pour essayer d'avoir des tu réponds à une, d'autres choses. À une autre question que j'avais prévue. Vas-y, c'était Justement, tu produis pas mal de contenu de différents endroits. Il y a des sites que tu trouves des fois où j'aurais même pas idée d'aller chercher. Donc c'est vrai que c'est des fois c'est très intéressant. Parce qu'en fait, j'essaie de pas me fermer. J'essaie vraiment d'avoir d'ouvrir au maximum mes yeux et mes oreilles sur ce qui se passe, sur ce qui se dit. Je passe beaucoup de temps à lire des articles, à essayer de. Des fois, franchement, je prends, je partage et puis c'est tout, j'ai pas le temps de lire ou je lis en diagonale et puis je passe. Et puis il y en a d'autres où je vais regarder des articles, je vais essayer de chercher. L'information, elle ne me vient pas du ciel, je vais la chercher. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois, je dis tiens à telle personne, tiens, si tu as des infos, tu me dis ça. Ou si tu vois un truc, un article, tu me dis. Et puis, c'est le bouche à oreille. Et puis, c'est aussi beaucoup de taf parce que je passe beaucoup de temps sur Google et les différents... Pareil. À chercher, à lire. Ça, c'est bien, c'est pas bien. Ça, c'est bien, c'est pas bien. Ça me dit pas. Ou essayer de voir autre chose parce que j'essaie vraiment de trouver un contenu assez récréatif. Après, j'ai entendu une critique aussi une fois par rapport au groupe où on disait oui, de toute façon, dans les groupes, vous faites tous la même chose. Donc, t'inscrire sur l'un ou sur l'autre, c'est la même chose. Vous faites juste que partager. Donc, maintenant, j'essaie, dans la mesure du possible, de amener au débat, comme pour le coup de Clément, pour l'affiche qui a fait, je ne sais plus, une 40 ou au moins plus de 40 commentaires. Où les gens ont débattu sur quels étaient les rhums martiniquais qu'ils préféraient. Je me suis dit, tiens, j'ouvre le débat et vous. C'est pas grand-chose, c'est quelques phrases, mais c'est la différence entre juste partager et les gens scrollent et regardent, et ok, j'ai vu l'affiche, okay, ou j'ai même pas lu, parce qu'il y en a qui lisent même oui, pas. Oui, il y en a beaucoup qui lisent. Il y en a aussi qui répondent aux questions sans avoir lu le sujet. Ça s'arrive aussi, donc ils sont complètement à côté. Après, il faut essayer de. Ou ils s'énervent en disant ah, tiens, pourquoi tu dis ça truc. Oui, mais c'est le sujet. Donc, forcément, il faut répondre au sujet. Comme pour cet exemple de Rome martiniquais, où une des critiques était pourquoi je fais l'apologie du Rome martiniquais. Je ne fais pas l'apologie du Rome martiniquais. C'est juste que là, le sujet, c'est le Rome martiniquais. Donc forcément, je vais parler du Rome martiniquais. On a bien compris qu'est-ce que tu voulais apporter avec ce groupe. Une petite précision, le maître mot, l'essence, la valeur que tu veux transmettre à travers ce groupe. Déjà, comme on l'a dit précédemment, le partage, convivialité. C'est exactement le mot que j'attendais. le partage, la convivialité, la bonhomie, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur un groupe où... Si tu me parles encore pour X fois du je sais quoi la différence entre un rhum et un rhum, je vais pas te dire écoute mec, tu tapes dans la barre de recherche rhum et tu vas trouver ton bonheur. Je vais dire écoute, il y a différentes choses, hispanique, ouais, je répète, oui c'est redondant, mais ça fait partie du jeu. J'ai un article prévu là-dessus. Voilà, c'est comme aussi via mon travail, j'ai l'habitude d'avoir des élèves. Il nous pose toujours la même question, c'est comme un prof. Pourquoi 1 plus 1 égale 2 il ne va pas dire oh, c'est bon, ouais. Ça fait 17 fois, 17 années de suite que je suis au CP et que j'ai un peu abordé le sujet. T'avais déjà demandé au mec d'il y a 17 ans que pourquoi 1 plus 1 ça fait 2. Je suis exactement d'accord avec ça, c'est exactement ça. Tu ne peux pas reprocher à quelqu'un d'arriver. D'arriver, ou tu ne peux pas reprocher à quelqu'un de poser une question. Enfin, je veux dire, il y a une phrase sur un groupe toujours aux élèves dont je m'occupe. Vaut mieux poser une question et paraître bête 5 minutes que ne jamais en poser et le rester toute sa vie. Donc ça, pour moi, c'est un truc c'est mon leitmotiv aussi. Le partage, le droit de dire des conneries. Je dis des conneries, je les assume plus ou moins. Si je dis une connerie et que quelqu'un s'aperçoit que je dis une connerie, c'est très bien de me le dire, parce que comme ça, je serai moins con la prochaine fois. Si on me pose une question, je ne connais pas la réponse, j'essaierai toujours de faire en sorte de trouver la réponse et d'aller vers les gens qui peuvent donner l'information. C'est pour ça que des fois, je tag certaines personnes. On a un partenariat avec la tonnellerie Navarre,
avec Ouli, avec qui je parle beaucoup en mail privé aussi, et qui a un puits de connaissances. Il est impressionnant, c'est fabuleux de parler avec lui parce que il apporte beaucoup de choses sur la façon de fabriquer un fût, etc. Quand une personne me pose une question par rapport à son fût qu'elle a acheté et qu'il est censé ne pas avoir de paraffine et qu'elle veut faire un vieillissement dedans et qu'elle n'y arrive pas et que je le tague, ben c'est normal, moi j'ai pas sa connaissance, c'est son métier. Donc lui, sa réponse a été, ben, il a jamais connu la paraffine, parce qu'elle voulait, non, elle voulait pas de vieillissement, justement, elle voulait un fût pour qu'il n'y ait pas d'échange. Et donc elle voulait un fût paraffiné et ben, à chaque fois elle avait un tanin qui ressortait. Et donc ça l'agaçait parce qu'elle ne pouvait pas mettre ce qu'elle voulait à l'intérieur. Donc la réponse de Willy, ça a été, eh ben, en fait, c'est qu'il n'a jamais vu la paraffine. Comment je peux savoir ça? Je suis manipulateur radio, passionné des Roms, qui a une page Facebook. Je ne suis pas l'ayatollah et je ne connais pas tout et j'apprends tous les jours. Et c'est pour ça que je le fais. Et j'adore apprendre. Donc tu, comme tu le dis, tu n'es pas professionnel du Rom. Ah non. Est-ce que c'est un domaine qui t'intéresse? Bien évidemment, sinon je... D'être moins professionnel, ouais, du Rom, on m'a posé beaucoup la question. Et si on me proposait des choses, est-ce que j'aimerais travailler dans le Rom? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'actuellement, je suis donc dans l'imagerie médicale, j'aime bien ça. Est-ce que maintenant, faire... Le problème, c'est que c'est comme... Si tu es passionné de sport, est-ce que tu veux être prof de sport? Forcément, tu kifferais pouvoir... être payé pour pouvoir faire du sport et faire que du sport. Maintenant, est-ce que le problème, c'est que avec les passions, quand c'est une passion et que ça devient un métier, c'est que j'aurais peur peut-être que ça ne soit plus une passion et que ça devienne un business. Ça devienne mon métier tout simplement. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'aurais peut-être moins de plaisir à faire certaines choses que je fais actuellement. J'aurais peut-être je sais pas, peut-être que je me refermerais certaines portes, on me regarderait d'une façon peut-être différente, où on me dirait, bah tiens, lui c'est le brand ambassadeur de telle marque, bah c'est sûr, s'il dit que ça c'est bien, c'est parce qu'il est payé par cette marque. D'ailleurs, ça, des fois, il faut savoir, c'est que je ne suis payé par personne. Quand il y a des cadeaux qui sont faits, c'est soit des dons, soit ça vient de ma poche. Donc quand on me sollicite en me disant « Ouais, je pourrais avoir ci, je pourrais avoir ça, un truc comme ça. » Mais moi, j'ai mes factures à payer à la fin du mois. Si je peux le faire, je le fais avec plaisir. Moi-même, quand il y a des lots, admettons, tiens, un sample de telle bouteille, ben, j'ouvre ma bouteille. Je vais au marché marchand, j'achète ma bouteille, j'ouvre ma bouteille, j'achète les samples, je vais acheter mes timbres, je vais acheter mes enveloppes bulles et je fais mes petits trucs et je les envoie. Ça vient dans mes fonds propres. Donc à un moment, il y a certains moments tu peux le faire, il y a d'autres moments tu peux pas. Sauf que, entièrement d'accord, c'est exactement la même chose pour moi. Moi j'aimerais bien ouvrir la porte et me dire tiens, j'ai 12 cartons qui viennent d'arriver, allez, il y a un tel, il m'a envoyé ci, envoyé ça, et partager à fond la caisse. Mais je serais le plus content et le plus heureux de pouvoir. Le but c'est le partage, j'ai dit. Donc moi le premier. À mon échelle, quand j'ai reçu des choses de Clément, je les ai ouvertes, j'ai mis dans des samples où j'ai fait une dégustation et j'ai sorti la bouteille et je l'ai partagée. Là-dessus, j'ai aucun souci vis-à-vis de ça. Mais c'est pareil, hein, tu me parles de moi j'aimerais bien un caronnier, truc. Mais j'en ai même pas bu. Pourquoi tu je te l'offre? Je ne l'ai même pas. Alors, est-ce que je voudrais en faire mon métier? J'y ai songé. Après, en toute humilité, je préfère peut-être que ça reste une passion, que ça reste un truc récréatif et amusant et que ça soit pas quelque chose de pécunier. C'est tout à fait louable. Qu'est-ce que tu aimerais développer de nouveau pour cette année 2019? J'ai pensé à plein de choses, j'ai parlé à pas mal de personnes. Après, j'aimerais déjà. Je pense que les fondations des Compagnons du Rhum restent encore fragiles parce que ça reste sur la volonté de partenariat des différentes maisons.
et que pour cela, il faut avoir confiance, il faut, c'est du, un long travail, c'est un travail de long terme. Et déjà, je pense continuer d'exister, continuer dans la même direction, essayer de... J'ai pas vocation à avoir beaucoup plus d'abonnés ou quoi. S'il y en a plein, tant mieux. Si ça stagne, tant mieux ou tant pis, je sais pas. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal en fait, parce que c'est quand on regarde certains groupes qui sont énormes, ça devient très compliqué à gérer. Ça devient plus compliqué à gérer, c'est vrai. Après aussi, il y a toujours un revers de la médaille dans les choses. C'est-à-dire que quand tu as un certain nombre, malheureusement, ben, tu gagnes entre guillemets en crédibilité et en viabilité, et donc pour les marques, ben, tu es un petit peu plus intéressant, donc ils vont avoir plus de facilité à te solliciter, à publier, à te donner des informations sur l'avenir des compagnons. J'ai des idées au niveau de la dégustation. J'aimerais vraiment j'ai travaillé Ouais. Ouais, c'est le sujet suivant. Le mot travail, il vient dessus, mais c'est pas forcément travailler. J'ai beaucoup discuté avec Olivier qui a travaillé, qui a participé à l'émission M6 Le Plus Grand Pâtissier là, qui est arrivé, je crois en demi-finale, enfin, quasiment aux portes de la finale. Et en fait, lui ne connaissait pas le rhum. Il n'aime pas spécialement l'alcool d'une manière générale, et on a fait un ami d'une amie, et on a un soir on s'est retrouvé et je lui ai fait un line-up. J'ai beaucoup réfléchi à ça, beaucoup réfléchi à ce que je devais lui faire goûter, à ce que je devais surtout pas lui faire goûter, étant complètement novice au niveau du rhum, et en même temps essayer de faire en sorte à ce que ça puisse lui déclencher des idées au niveau de la pâtisserie. Donc ça, j'aimerais vraiment. Il a goûté différents rhums. Il y a des choses qu'il a aimées, des choses qu'il n'a pas aimées, des choses que ça m'a vraiment surpris qu'il apprécie ça, parce que c'était le carafe de Longto. Non pas que ça soit pas un excellent produit, parce que c'est vraiment un excellent produit. C'est juste que pour un novice, c'est pas péjoratif, c'est pas une critique, c'est pas t'es novice. Non, c'est juste. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de boire du rhum, c'est plutôt surprenant, parce que tu as toujours tendance à te diriger vers les rhums, des choses plus ronds, sucrées, etc. Et le Longto très souvent. Il est très équilibré, il est très très bien fait, mais il a quand même une certaine puissance. Et qu'il se soit arrêté dessus, j'ai trouvé ça plutôt surprenant, plutôt bien. Et pour arriver, dernièrement, c'était peut-être il y a 2-3 mois, il a fait un gâteau à partir de rhum que je lui avais filé, et il était super content. Donc après, libre à lui de développer. Il m'a dit qu'on allait encore faire d'autres choses. On verra. Je sais très bien que de son côté, c'est compliqué, parce qu'étant passé à la télévision, étant beaucoup sollicité, étant talentueux comme il est talentueux, parce que donc si vous voulez voir au niveau de sa page Facebook, ça s'appelle Les Gâteaux de l'Arceau. C'est un autodidacte, c'est une personne c'est pas son métier, c'est une personne qui a un métier à côté et qui fait ça vraiment par passion. Et ce qu'il fait, c'est juste magnifique. Donc j'aimerais vraiment essayer de partir là-dessus, sur des accords mère-homme qui pourraient être sympas. J'ai d'autres idées avec qui j'en ai parlé. C'était lors du Whisky Live, j'en ai parlé avec Freddy d'Arome. De Paris, où j'ai une idée sur une soirée dégustation, et j'aimerais vraiment que ça avance. Après, on verra. J'ai plein d'idées dans la tête, j'aimerais vraiment surprendre, j'aimerais vraiment faire, justement, on parlait de choses qui étaient similaires au niveau des groupes. J'aimerais vraiment essayer de donner une espèce d'impulsion à ce groupe-là, une certaine nouveauté, tout en humilité, hein, essayer d'être. Ouais, d'être un petit peu novateur. Après, au niveau des publications, moi je reste ouvert à la discussion. N'importe qui sur le groupe peut me solliciter, aussi bien directement sur la page
qu'en mail privé, que ce soit sur mon compte perso, puisque les gens cliquent, tu envoies un message, un messenger, et puis c'est fait. Sur mon compte pro, l'un ou l'autre, je répondrai toujours, à savoir ce que eux aimeraient voir arriver. Il y a bien, il y a pas longtemps, c'était l'année dernière aussi, je vous avais fait un sondage, à savoir ce que vous trouviez bien, ce que vous aimeriez développer, oui. Ce que vous aimeriez voir disparaître ou quoi que ce soit. Et il y avait beaucoup les soirées de dégustation qui sont sorties. Après, le truc qui peut être frustrant, et je le comprends, pour des personnes qui habitent pas en Île-de-France et me disent « Mais quand est-ce que tu viens en région ? Quand est-ce que tu vas faire des choses en région ?» quoi que ce soit. J'adorerais, sauf que, encore une fois, je suis pas professionnel. À chaque fois, c'est sur mes fonds propres. Sachez qu'au niveau des soirées, je n'ai absolument rien. Je ne prends pas un euro. Quelqu'un a envie de me donner décembre, je prends décembre. Si au niveau de la dégustation, je parle, je prends. Mais après, quand j'organise les choses, bien souvent, et tous les administrateurs de groupe te le diront, tous les différents clubs, parce qu'il y en a, ce sont devenus des clubs, bien souvent, quand tu débutes, et même au-delà, t'en es de ta poche. Ouais. Bah, c'est pareil pour moi, hein. J'en mets beaucoup de ma poche. Voilà, donc au bout d'un moment, c'est bien d'avoir une passion. Tu as parlé justement des limites de la passion. Les limites de la passion, c'est à partir du moment où ça vient empiéter sur ta vie perso. Donc voilà, j'aimerais vraiment essayer de continuer à faire des choses avec peut-être différentes maisons, continuer avec celles avec qui on a fait des choses, essayer de voir d'autres concepts. Mais après, toi-même, tu sais, hein, je peux pas tout dire, parce que si je dis tout, déjà, un, il n'y a plus l'effet surprise. Deux, oui, on va la dernière ligne droite et bim, hop, t'as l'idée, puis tu retrouves sur partout pareil. C'est super génial. Non, mais donc voilà, je tiens pas ça secret, c'est juste que en même temps, moi, quand je dis les choses, c'est que ça va être du concret, que ça va être fait. Donc là, tant qu'il n'y a rien de concret, je fais rien, mais j'ai beaucoup d'idées. Bon, tu viens de répondre à cette question sur les soirées dégustation. Alors, je sais que c'est beaucoup de travail d'organiser des soirées dégustation telles que tu les fais. Tu arrives à avoir des intervenants tels que Florent Bechet ou François Mangin, mm-hmm. De Tresse-en-Bresse. Comment fais-tu ? Tu y vas au culot ? Oui. C'est-à-dire que moi, je me dis, qui tente rien à rien, j'ai rien à perdre, je suis personne, mais je pose la question. Après, pour Tresse-en-Bresse, je les ai saoulés, je peux pas dire saoulés, mais je les ai sollicités longtemps. Non pas qu'ils voulaient pas, c'est juste que voilà. C'est assez difficile, je pense, sur leur organisation. C'est difficile pour eux, pour l'organisation, etc. Mais disons que je sollicite, j'essaie une première fois, je laisse un petit peu, après je reviens, est-ce que vous... Oui, je cherche les contacts, je cherche les noms, je cherche sur Messenger, je cherche par mail. T'es un sacré pêcheur, toi. Ouais, je pêche beaucoup. Après, ça mord pas, la plupart du temps, des fois, je peux te dire que je rame, hein. Je rame beaucoup, c'est-à-dire que il y en a, je rame encore. Hein. J'ai beau les solliciter, ils me répondent pas, t'as l'impression, t'entends de l'écho. Après, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Le tout, c'est de pas se prendre au sérieux, de pas prendre les choses de façon négative, c'est-à-dire quand on dit non, ou qu'on ne te répond pas, ou que limite on trionnait, tu prends là avec humour, on dit ok, c'est pas grave, et pas dire ah ouais, avec un tel groupe il l'a fait, moi il le fait pas, truc. Non, c'est le jeu, c'est comme ça, des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est comme dans la vie. Allez, on va passer à la suivante. Tu nous as fait saliver avec ton voyage en Martinique. Hein. Ouais. Tu nous as vendu du rêve, je suis plus que jaloux. Peux-tu nous raconter un peu ton voyage sur l'une des îles préférées des amateurs de Rome ? Donc je suis parti avec ma famille et un couple d'amis. On est parti une bonne dizaine de jours là-bas. Après, on parlait justement de passion et de vie. Là, il a fallu que vraiment je calme les chevaux parce que moi, j'aurais passé mes journées à goûter, distillerie, je voulais tout voir, je voulais tout sentir, je voulais parler à tout le monde,
Je voulais aller partout. Dès que je voyais une épicerie, j'avais envie de rentrer dedans. Des fois, je tombe sur une perle, un truc que quelqu'un avait oublié dans un fond d'un étalage. Dire « Ah, un brut de fût !» Ah oui. Parce que t'arrives à... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, dans les distilleries, mettons, j'ai sollicité... Enfin, je suis allé chez Depaz. Et ils n'avaient plus de brut de fût, donc j'ai essayé, je me suis dit, bon, allez, peut-être dans un petit Carrefour Genipa, un petit Super U, un petit truc, je vais essayer de trouver, de glaner, de voir s'il ne reste pas quelque chose. Donc, je me sentais un peu comme un chercheur de trésors dans les supermarchés, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde se dirigeait vers la bouffe et moi, j'allais vers le rayon rhum. Et je me disais, peut-être que... Et là, je faisais droite-gauche, 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 non. Oh, et après je suis parti déçu, la tête basse et tout. Donc là, il a fallu vraiment que je me canalise vraiment, parce que ce n'était pas que mes vacances, c'était les vacances de tout le monde, et il a fallu que je fasse les choses. Après, j'ai essayé de concentrer les visites. D'ailleurs, j'en remercie très chaleureusement et très affectueusement ma femme, qui a dû supporter... ma journée la plus speed où j'ai visité, on a commencé par la favorite avec un super accueil d'Emmanuel. Ensuite, on a pris la voiture, et en plus, le problème, c'est que géographiquement, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que la Martinique, c'est une petite île, mais pour aller d'un point A à un point B, ça peut être très compliqué. Non pas que les routes soient pourries ou quoi que ce soit, loin de là, c'est déjà, il y a beaucoup de bouchons. D'accord. Et des fois, d'une distance. On a l'impression que c'est une toute petite distance, mais c'est comme à Paris, on a l'impression que c'est tout petit, mais en fait, tu mets toujours une demi-heure, trois quarts d'heure pour y aller. Donc, cette journée-là, elle a été très speed, parce qu'il a fallu que je passe de la distillerie de la favorite, que j'aille voir Stacy, avec qui m'a fait une super visite, le truc où tu as été jaloux de mettre la tête sous l'alambic pour avoir directement le doux nectar tout juste distillé qui arrive dans ta bouche. J'ai pas fait ça, j'ai pris dans un verre, j'ai goûté, j'ai pris le temps, etc. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment magnifique. Les habitations, c'est super. L'accueil qu'on nous a fait, c'est super. Les explications, c'est juste super aussi. Ensuite, il a fallu que je redescende sur HSE, où là, bon accueil, visite historique, visite déchets, ensuite dégustation. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a à chaque fois les dégustations. Donc bon, quand tu prends le vue, il faut faire quand même super attention. Et donc, ça pas mal, ça, voilà, ma femme a subi. pour l'histoire, on devait entre 1710 et HSE, on devait aller au restaurant. Et je lui ai fait subir un pauvre hamburger dans une petite friterie à 2 balles, parce que le rendez-vous était vraiment très. J'étais trop short au niveau de mes rendez-vous. Et donc, notre petit dîner amoureux qui devait être détente sympa, fini baraque à frites. À manger dans la voiture comme ça vite fait, parce qu'on m'attendait pour le rendez-vous. Donc elle a été très patiente et puis très compréhensive et pour ça je la remercie, parce que ça fait partie des passions qui sont des fois un petit peu envahissantes. Après, j'ai fait aussi tout le nord avec la visite. Là, j'essaie d'être intelligent, c'est-à-dire que j'ai regardé quand même les cartes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comme les distances sont courtes, mais que le temps est long, il a fallu que j'essaye de voir avec une application, un téléphone, à savoir le temps que j'allais mettre entre ça, pour être le plus efficace possible, voilà, et perdre le moins de temps possible. Et avec donc deux amis, vous avez vu sur les photos que j'ai mis un petit peu sur le groupe, on a fait la partie nord. Donc avec d'abord avec Nesson, Depaz. Ensuite, on est remonté sur JM, qui est juste... S'il y avait une... Au-delà du rhum, de la marque en elle-même, c'est-à-dire que tu apprécies ou que tu n'apprécies pas JM, c'est pour moi, c'est une distillerie à faire, parce que elle est différente, parce que tu es dans un écrin de verdure. C'est-à-dire que tu as des routes toutes tortueuses. Et là, au-delà d'un virage, tu arrives au niveau de JM, disons JM Makuba, et là tu vois cette habitation toute rouge, ancrée dans un écrin de verdure, c'est une végétation luxuriante, une végétation magnifique avec des superbes fleurs. C'est juste des paysans, tu as l'impression, tu te dis, oh, là si
y a King Kong qui va arriver, il va en mode géant, et c'est juste dépaysant, c'est juste magnifique. Après, au niveau de leur visite, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, parce qu'en fait, il y a toute une partie très, très ludique, où tu apprends les différentes étapes de fabrication du rhum, en passant de la récolte à la distillation, enfin la fermentation, la distillation. Après, tu vois des fûts avec différentes chauffes, comment là où ils se mettent pour chauffer, pour faire l'ouillage. Voilà, non, le bousinage. Le bousinage. Le bousinage, ils font le bousinage, comment ils font les choses. Et ensuite, tu te retrouves sur une partie chais où tu vois le vieillissement avec ce temple. Parce que c'est autre chose, t'as l'impression d'être dans une église avec tous les fûts JM qui sont disposés comme ça, fond rouge, lumière très. Et puis c'est d'un calme, t'entends rien, tout le monde chuchote, t'as vraiment l'impression de te retrouver dans une église. Et après, de au-delà de ça. Tu fais le signe de croix en rentrant je sais pas ce que tu fais, mais en tout cas, ça impose un certain respect parce que tu te dis tout ça. Et ensuite, tu as une partie où, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas eu cette chance immense qui m'a été faite de visiter la Martinique et donc JM, c'est de passer par la partie olfactive. C'est-à-dire qu'ils te font sentir différents rhums et tu as des petits papiers que tu peux récupérer. Et tu as des appareils où tu appuies et ça te refait sentir, mettons, l'odeur de la vanille, l'odeur du chêne, l'odeur de l'herbe, etc. Et en te disant, ça c'est des senteurs que tu peux retrouver au niveau de tes rhums. Donc des fois, si tu sais pas, tu sens un rhum et tu dis ça me fait penser à quelque chose mais je me rappelle pas quoi, bah ça permet de t'en rappeler. Et ensuite, tu arrives sur la partie dégustation où tu es avec ton petit papier. Et moi j'ai pas eu le réflexe de prendre les petits papiers et de faire ça, mais j'ai vu des gens le faire et j'ai trouvé ça très bien. En disant, ben moi de ce que j'ai senti, j'ai bien aimé ça. Ce papier. Et là, la personne prend les papiers et dit « Ok, vous aimez bien ça, 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 et ben je vais vous faire déguster dans ce store-là, là, 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 là. » Donc c'est juste, voilà, c'est l'accord entre de la canne à ta bouche. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Et donc, c'était vraiment... chez HSE aussi, ce que j'ai apprécié, c'est le côté où l'accent est mis sur les personnes qui ont... Enfin, l'histoire. C'est-à-dire que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que dans l'histoire du Rhum, il y a une part esclavage qui est une part importante, parce que pour pouvoir exploiter ces champs de canne à sucre, et bien, il a fallu que des personnes le fassent et que des personnes en souffrent. Et c'est aussi bien la canne, quand on arrive en Martinique ou quand on se déplace en Martinique, que l'esclavage est très présent là-bas. Ça fait partie de... D'ailleurs, il y a un groupe qui s'appelle HSE, groupe martiniquais, tradition ancré dans la culture, où je ne me rappelle plus du terme exact, je m'en excuse. Je trouve ça vraiment très bien comme nom, parce que c'est vrai que c'est le rhum en particulier, la canne à sucre, et l'histoire reste très important dans le cœur des Martiniquais. Et on le ressent au détour des visites des distilleries. Et le fait qu'HSE souligne un petit peu la période esclavage, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Chaque distillerie m'a apporté quelque chose. On va parler de... J'ai pas tout fait, on va parler du mythique moulin Trois-Rivières, où tu arrives, tout de suite tu reconnais. Il y a eu, ça a été la première distillerie que j'ai visitée. Il y a les beaux jardins et surtout l'habitation de chez Clément, qui est juste magnifique. L'habitation, elle est vraiment magnifique. C'est-à-dire que on voit tout l'aspect colonial, etc. Pour les férues d'histoire, c'est vraiment, 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 vraiment impressionnant. C'est vraiment sympa. Avec une côté galerie art aussi assez contemporain, l'art contemporain qui est assez sympa. Et la partie dégustation, toujours, hein, c'est ce qui est le nerf de notre guerre, hein, on aime bien tout goûter. C'est sûr que si j'avais eu la clé des armoires où on voit des bouteilles de 1950 et tout, je t'aurais fait un braquage à l'italienne avec mes origines, je t'aurais braqué deux, trois bouteilles.
Mais non, après, donc, la classe aussi de Clément, le côté familial de Favorite, où pour moi, j'adore la Favorite. Donc, j'ai hâte, franchement. La gentillesse d'Emmanuel. On le sent rien que dans sur Facebook et tout. Moi, de toute façon, c'était prévu. J'ai fait un post hier à propos de. J'ai fait des interviews où j'ai posé grosso modo les mêmes questions pour A1710, la Favorite et puis chez eux, pour savoir un peu quels étaient leurs positionnements actuels et peut-être la suite. Donc, je raconte pas tout, mais voilà, j'ai fait des choses. Sauf que c'est des heures d'enregistrement qu'il va falloir que je redécortique, que j'écoute et que je. Et ça prend. Imagine-toi là ce qui va se passer. Ça va être compliqué, ouais. J'imagine. Franchement, en plus, moi je parle beaucoup. Là, on est déjà à une heure d'enregistrement. Ok, je t'avais prévenu, hein. J'étais un bavard. J'avais dit, hein, j'étais un bavard. Pas de soucis. Voilà. Donc il y a des interviews qui vont venir. Après, c'est donc, comme tu le sais, c'est un gros travail. Après, je sais qu'il y en a, ils sont impatients et ils aimeraient que ça arrive très très vite et je leur parle de choses très très vite. Sauf que j'ai le souci d'essayer de faire les choses correctement et de retranscrire au mieux ce qui m'a été donné. Tu les as fait en vidéo, c'est Non, j'ai fait en son. Ah d'accord. En son. Je voulais faire des choses. J'avais prévu plein de choses, mais franchement, c'est comme tu le dis, c'est un investissement en matériel. Ah bah. Le micro, le truc, pour être, que tout le monde, que ça soit pas un enregistrement pourri. Si c'est pour faire les choses à moitié, ça sert à rien. Enfin, de façon très très mauvaise qualité, ça sert à rien, si t'entends rien, tu vois rien, l'image est mauvaise. Moi, c'est pas mon métier, je sais pas faire, donc j'essaie de faire des choses, je vais faire des choses à l'écrit. Donc il faut que je retranscrive ce qui m'a été la chance qui m'a été donnée de pouvoir côtoyer ces personnes, ces passionnés de Rome, que ce soit Maël, Stacy, Emmanuel. Ce sont vraiment des parcours atypiques, c'est ça qui m'a intéressé aussi, c'est-à-dire qu'ils pas atypiques, c'est des parcours différents. Et de parler avec eux, ça m'a permis de voir les choses un petit peu différentes. De façon différemment, et d'aborder, voilà, c'est ce mot que je cherchais, d'aborder le rhum d'une façon différente. Parce que chacun a sa façon de faire, chacun a sa façon de voir, chacun a son histoire, et ça me donne encore plus envie d'approfondir et de voir les choses sur d'autres origines. Ouais, j'ai hâte de pouvoir voir ces interviews-là. Voir, entendre, enfin, pouvoir les lire. Ouais. Pouvoir les lire. Allez, on va passer à la dernière série de questions et on va parler plus concrètement de rhum, car c'est au fond de ça qu'il s'agit, d'un doux nectar que l'on a le plaisir de partager. Comment décrirais-tu le rhum ? Qu'est-ce que c'est pour toi ? Question difficile. C'est compliqué. Qu'est-ce que c'est pour moi ? Vous avez 2 heures. Plusieurs aspects au niveau du rhum. Qu'est-ce que le rhum ? Non, bon. Donc, tout le monde le sait, parce que ça serait encore réducteur. On l'a abordé, il y a différents rhums. Le rhum. Là, la question, elle est vraiment par rapport à toi. Oui, mon ressenti. C'est pas une question générale par rapport à tout le monde. Oui, c'est vraiment ton ressenti à toi. J'ai c'est ta vision à toi, ton plaisir que tu as avec le rhum. Ma vision du rhum. Pour moi, c'est une boisson qui se partage. On essaye de faire marcher aussi bien son nez que ses papilles, que c'est sa mémoire, ses impressions, ses souvenirs en fait. Et donc du coup, pour moi, ça peut être aussi bien le rhum, ça peut être aussi bien donc un partage, un moment convivial, comme un moment d'échange où moi maintenant j'ai plaisir à me retrouver avec des amis et prendre mes bouteilles du bar comme je le fais régulièrement avec mes voisins qui aiment bien, j'essaie de convertir les gens, hein, mais qui commencent à bien aimer le rhum et commencent à bien s'y connaître et avoir leur propre goût et leurs propres idées, j'aime bien en fonction de ça arriver avec mes bouteilles et soit essayer de surprendre, soit essayer de
sustenter, de dire ah, t'aimes bien ça, tiens, regarde ça. Ah oui, j'aime bien. Ou alors surprendre en disant t'aimes bien ça, goûte ça, tu vas me dire. Ah oh, non, t'es sûr, je suis pas sûr. Vas-y, goûte. Ah ouais, quand même. Ou alors même d'être surpris en disant ah, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. Moi, j'ai pas de culture au niveau du whisky. Et à certains rhums, avec certaines personnes qui s'y connaissent en whisky, où ils disent ah, tiens, je retrouve certaines notes, certaines choses au niveau du whisky, au niveau du cognac. Et là aussi, c'est pareil. Il va falloir que je m'ouvre un petit peu plus au spiritueux en général, parce que quand on me dit cognac finish ou bourbon finish, quoi que ça, si j'ai jamais bu de cognac, jamais bu de bourbon, je vais avoir des difficultés à les retrouver. J'ai du mal avec les whiskies de Malte. Je bois, ce que j'adore, c'est les whiskies de grain et les whiskies tourbés. J'adore ça, j'en bois, c'est ce que je bois dans les whiskies. Je me commence à me déguster certains cognacs que je trouve vraiment, des fois, vraiment extraordinaires. Aussi bons que des très bons millésimiers dans le rhum. Il y a vraiment des pépites extraordinaires. Je suis pas complètement fermé. Mais pour pouvoir connaître, j'ai l'impression que pour pouvoir connaître le rhum, je vais être obligé, entre guillemets, de passer par d'autres spiritueux. C'est des choses. C'est pas forcément une chose à laquelle j'aurais pensé comme ça, mais c'est une pensée très pertinente. Ouais. Et après, donc pour moi, le rhum, c'est un mélange de plaisir perso, de convivialité, d'échange. On revient un peu tout le temps toujours sur la même chose. Pour moi, le rhum, c'est vraiment important de le partager et d'essayer d'avoir pas juste le prendre, tu le mets à ta bouche, tu bois et puis c'est terminé. Et vraiment essayer de percevoir les choses et d'avoir un esprit un peu, je vais pas dire critique, mais d'avoir un ressenti. Faut que ça me parle, faut que j'ai une accroche, j'ai un ressenti. Tu vois, mettons, la première fois que j'ai eu la chance de goûter une flibuste, on m'a offert ça pour mon anniversaire, c'était un petit sample. J'ai mis ça dans un petit verre, j'ai commencé à sentir, et là, j'ai commencé à goûter, et là, franchement, c'est ridicule, mais je m'en fous, le ridicule tue pas, je me suis vu pirate, quoi. Chantait le bois, les parquets cirés, la poussière, ça m'a transporté. Et c'est pour ça que j'aurais toujours un affect vis-à-vis de ce rhum, parce que déjà j'ai trouvé ça extrêmement sympa et généreux et intéressant, et qu'on me donne l'opportunité d'y goûter. Et en même temps, ça m'a fait voyager. Et donc pour moi, le rhum, c'est aussi voyage, parce qu'il y a tellement de destinations et ça s'ouvre de plus en plus sur partout dans le monde. J'en ai ramené un qui vient du Japon. Voilà, donc en fait, si tu veux, tu te retrouves avec des palettes aromatiques, et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que t'as pas le temps de t'ennuyer, il y a toujours un truc. En plus, non seulement il y a des nouvelles distilleries, mais en plus d'avoir des nouvelles distilleries, il y a des nouveaux embouteillages, il y a des nouveautés, ça ne s'arrête pas, c'est toujours en mouvement. C'est de la diversité. Plus tu ouvres une porte, comme on a dit tout à l'heure, puis il y en a une deuxième derrière. Des valeurs différentes, une recherche d'une aromatique précise différente des autres. Il y a toujours des choses. Et après, c'est vrai qu'on a tendance à s'affiner et à toujours revenir vers certaines choses comme les rhums des Barbades avec les Dorlies ou les Foursquare qui j'affectionne particulièrement. Tiens, parce que tu parles du Dorlies, ce que j'aimerais savoir, c'est un peu avoir ton ressenti à la dégustation d'un rhum. Alors peut-être que tu veux le faire avec le Dorlies ou goûter un autre. On parle de Dorlies, moi j'aime bien. Que tu nous partage en quelques mots une dégustation que tu ferais d'un rhum. Alors si tu veux déguster un rhum différent, et que tu nous partages en quelques mots ce que tu ressens avec cette dégustation. Dans ces cas-là, vaut mieux pas que je reste sur des choses que je connais, par cœur, mais ce que j'affectionne particulièrement, parce que le Monguet, moi je le trouve, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant dans le Black Barrel, parce que il n'est pas extrêmement cher et c'est un rhum qui est abordable. En même temps, c'est un rhum qui est assez... on va faire le Monguet. Je me sers ? Vas-y, sers-toi. Donc, moi, quand je vais commencer pour à déguster un rhum, j'aime bien
regarder le bouchon, j'aime bien sentir le bouchon. J'aime bien mettre directement mon pif. On va voir si tu vas répondre à ma dernière question. Dans la bouteille. Après, j'aime bien quand je le fais couler, j'aime bien regarder la couleur qu'il a en sortant et la couleur qu'il est en train de prendre selon la quantité que tu vas mettre à l'intérieur. Et puis regarder un petit peu au niveau de la bouteille, le packaging de la bouteille, d'où ça vient, qu'est-ce que la teneur en alcool. Regarder un petit peu la bouteille. Après, j'ai tendance à le sentir, et essayer de voir à quoi ça pourrait me faire penser, si ça me parle, si je sens des... Si tu voyages. Si ça me parle déjà au nez, si j'arrive à avoir des choses. Donc tout de suite, le manguette a la part vanillée, toastée, parce que c'est un black barrel aussi. Ouais, c'est un black barrel. Donc tu as tout de suite le toastage. Moi, j'y connais rien en whisky, mais on parle des fois de tourbe. Et oui, c'est vrai que si on parle de tourbe, c'est vraiment une toute petite tourbe. C'est vraiment parce qu'un tourbe, c'est petite. Vraiment très, oui. très, très prononcé. Mais là, tu sens le toastage et tu fais ça. Après, moi, j'ai ma petite manie, j'ai déjà dit au niveau des séances de dégustation, c'est que je prends toujours une petite goutte que je mets sur mon doigt. Je fais attention quand je vais faire les soirées dégustation à ne pas mettre de parfum au niveau de mes poignets, au niveau de mes mains. Alors soit je le mets au creux de ma main et après je frotte comme ça. Je frotte et j'essaye de sentir. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que je me dégage un petit peu plus de l'alcool et ça me parle autrement. Ou alors des fois je mets un petit peu sur le poignet et après j'essaye de sentir pour voir si j'ai une différence entre mon nez avec le verre comme ça et mon nez au niveau de la main. Et des fois je reviens dessus parce que ça évolue. Donc, j'essaie de voir si je sens d'autres choses. T'as répondu à la dernière question. Je voulais t'entendre parler de ça. Donc après, c'est quelque chose que je fais pas. C'est vrai que je déguste pas en mettant du rhum sur moi, comme ça. Mais c'est vrai que t'en as discuté plusieurs fois de cette manière de faire. C'est comme du parfum. Ça dépend de ta peau, ça dépend de l'acidité de ta peau, ça dépend de plein de choses, mais. Après, moi, je trouve que tu te retrouves, bien évidemment, il ne faut pas s'être lavé les mains avec la grosse lavande qui prend le dessus. C'est comme une fois, je me suis retrouvé au Rum Fest avec un compagnon et on voulait goûter le Dominus qui n'était pas encore sorti. Ouais. Et donc, on a commencé, on voulait vraiment prendre notre temps, sentir, etc. Et tout d'un coup, il fait wow, les notes de coco, un truc de dingue. Et la personne qui est avec moi fait... Ah oh ouais, ça pète au nez, mais alors je le sentais pas auparavant. Et on sentait, puis tout d'un coup, plus rien, plus de coco, plus rien. Et puis d'un coup, la coco. C'était juste qu'il y avait une fille qui avait un parfum coco à côté et qui n'arrêtait pas de passer comme ça. Et en fait, avec ses effluves de parfum, oui. elle nous polluait, entre guillemets, notre dégustation au niveau du nez. C'est pour ça que quand je vais... Moi, j'adore les parfums, j'ai toujours adoré les parfums, mais quand je vais aux soirées de dégustation, j'en mets pas. Ouais. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je suis pas trop dû à regarder la couleur, je me laisse pas, entre guillemets, avoir. Je sais pas si ça peut dire avoir, parce que je sais qu'il y a des fois des jus de caramel pour pouvoir donner une certaine couleur. Une couleur assez homogène entre les différentes. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je regarde pas trop. Je regarde pas trop la croche, je suis pas. Ouais, je suis très simple, hein. J'y vais au nez, j'y vais dans mes mains et ensuite j'y vais dans ma bouche. Donc, comme la plupart des gens, j'essaye de tapisser la première fois, je laisse un petit peu de temps, je laisse le temps de s'ouvrir, je vois ce que ça me dit déjà en première bouche, mais je m'y fais pas forcément. Ensuite, je vais sur la deuxième bouche, des fois bien sûr là je prends un peu moins de temps, mais des fois je prends un petit peu de temps, et puis pour voir si. Ça me parle plus ou s'il y a une différence déjà entre la partie nez et la partie bouche. Donc là pour moi c'est au niveau bouche, on retrouve largement le côté toasté black barrel de Monguet qui est franchement pas mauvais. Je trouve qu'un niveau rapport qualité prix pour des je ne vais pas dire boire tous les jours parce que faut boire avec modération. Faut boire avec modération. Voilà, on ne le dira jamais assez. Mais justement, moi, ce que j'aime bien avec le rhum,
surtout les rhums de dégustation, c'est un plaisir que tu bois avec modération. Bah, de toute façon, est-ce que tu n'as pas besoin de grandes quantités pour te faire plaisir? Quand tu as certains rhums, quand tu vois le prix de certaines bouteilles, de toute façon, tu es obligé de te modérer parce que sinon, tu mets une telle claque dedans que. Ouais. Surtout quand on se retrouve avec. Comme en Martinique, avec des personnes qui apprécient particulièrement la flibuste et qu'en deux jours, on a une grosse claque tous les deux dessus. Voilà. Oui, et puis on voit la différence avec des rhums plus faciles d'accès, autant en bouche qu'au portefeuille, et là on les claque. Après, moi je pense qu'il faut boire de tout. Il ne faut pas se cantonner à des choses extrêmement chères ou à des choses. Faut essayer de revenir en plus sur des choses parce que notre palais il s'affine. Le palais que j'avais il y a un an et le palais que j'ai aujourd'hui, il est différent et il sera différent l'année prochaine. Et l'année après. Pour moi, c'est indéniable. Hein. Et je trouve ça intéressant je sais pas si toi tu le fais, mais je trouve ça intéressant de revenir sur des rhums que j'avais les complètement oubliés. La particularité, c'est que moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup d'amis qui sont restés sur le Rhône. Et j'ai énormément de mal à les faire passer à autre chose. J'arrive à commencer à faire boire des Rhônes non sucrés. D'accord. Ce qui est plutôt pas mal. De J'ai alors le dernier que je leur ai fait déguster, je sais plus c'est lequel. J'ai dernièrement l'un des. C'est encore un rhum sucré, mais on descend quand même par rapport au rhum qu'ils ont l'habitude de boire, c'est les Abuelo. D'accord. Ça reste encore assez sucré, mais par rapport à du Zacapa, du Centenario et Optimus. Mais après, c'est très bien qu'il y ait des personnes qui aiment ça. Donc c'est moi, ça m'arrive souvent de boire ces trucs, enfin ces rhums-là. Surtout que l'un de mes amis aime bien claquer de l'argent dans des belles bouteilles et il s'achète, il a l'Optimus 25 ans, oui. Il a le Centenario 25, il a après, des bouteilles pour moi, qui. Ce sont pas des sous-rhums, faut arrêter avec. C'est pas des sous-rhums. L'agricole, le non-agricole, les rhums, faut arrêter. Le but, pour moi, tu m'as dit c'est quoi le rhum aussi, je reviens un petit peu dessus. Le but, c'est de prendre du plaisir. Tout à fait, entièrement d'accord. Et de le partager. Et donc, quand moi, je prends une bouteille et que j'arrive chez quelqu'un et que c'est pas pour dire « moi, j'ai ça comme bouteille » ou « tiens, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça ». Non, c'est pas une question, ça, c'est une question de pouvoir… J'ai ressenti quelque chose, j'ai ressenti du plaisir, j'ai ressenti « ça m'a parlé » et « est-ce que à toi, ça te parle ?» Exactement. Et après que t'aimes… Que tu aimes boire un Monguet ou que tu aimes boire un chez eux un peu plus structuré ou que. Peu importe, à partir du moment. Même tu veux boire un Don Papa, ben bois un Don Papa, ça te fait plaisir. Même si c'est pété de sucre, c'est rien de naturel et que c'est une boisson. Alors les boissons extraites de rhum, mais que c'est pas. On va dire que c'est pas un rhum, on s'en fout. Si ça t'apporte du plaisir, fais-le. Ça. Maintenant, notre but à nous, au niveau des compagnons du Rhum et des autres groupes, ça va être d'informer. De dire, attention, il existe autre chose. Je pense que tu peux trouver du plaisir ailleurs. Maintenant, moi, je ne suis pas tous les jours en train de manger du cast, etc. De temps en temps, j'aime bien me taper une pizza bien grasse, bien crado, et un McDo bien gras. Et je sais très bien que les nuggets de poulet, c'est pas assez de. J'en ai conscience. C'est de la merde. On en a conscience. On le sait. Du moment que t'en as conscience et que tu le fais et que tu prends du plaisir, il est où le problème? Moi, à partir du moment où tu te sens pas, tu te sens pas trompé. Le problème du Don Papa, c'est que pour aller plus loin au niveau du diplomatique, au plus que le Don Papa, parce que le Don Papa, ils communiquent pas trop. Bon, eux, c'est de la grande distrib, ils font ce qu'ils ont à faire, et puis ils vendent et ils sont contents, c'est très bien. Il y a eu un débat il y a pas longtemps avec le diplomatico qui se disait agricole. Je sais pas si tu en as entendu non, parler. Non, c'est pas agricole. Ils se disent AOC. Ouais, AOC. Ils vont prendre un AOC. Voilà. Et c'est l'AOC vénézuélien. Voilà. Donc, au-delà des débats AOC, agricole, etc. Le problème, c'est l'information. À partir du moment où tu es informé, tu sais que tu sais où tu mets les pieds et que tu aimes, bois. What else? Bois.
Moi, il y a une autre question qui me fait choisir tel ou tel rhum, c'est l'humeur. C'est ça. Ce pareil. Soir, je vais plutôt être sur, là-dessus. Un autre soir, je vais plutôt me préférer un Dorlise. Bon, après, j'ai pas mal de samples, donc je tourne beaucoup sur mes samples. Mais après. D'ailleurs, c'est le problème, parce que des fois, tu commences à te dire, viens, je ferais bien un petit apéro. Tu te retrouves devant ton truc, et là, tu te dis, je vais boire quoi ce soir? Ça, non, pas trop. Ça, peut-être en deuxième main, mais là, pas tout de suite, là. Et ça, oh, ouais, ouais. Et là, tu fais. Peut-être que je m'embrouille parce que ça peut être l'apéro là. Donc du coup, bah voilà, il y a des choses où des fois tu te retrouves. Moi, tu vois, j'ai le regard en l'air parce que ça se passe en partie dans mon garage et c'est un petit peu en haut et je regarde et je me dis selon mon humeur, il y a des fois je vais vouloir partir sur quelque chose de typique en faisant un Jamaïcain avec des marques jamaïcaines ou voilà, alors que j'étais complètement, on peut revenir en arrière. Hein, ouais, Jamaïque, Fidji, etc. Je voulais pas en entendre parler. Ben, j'ai changé d'avis et puis il y en a une que j'ai bientôt terminée au niveau de la Jamaïque. Et puis, je suis d'accord, c'est exactement ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est selon l'humeur. Il y a des fois, quand j'ai envie de revenir sur quelque chose d'un peu plus bonbon, sucré, moi j'aime bien Santa Teresa. Ouais. Parce que je trouve que super. C'est quelque chose d'équilibré. Bah tiens, c'est ça, exactement. C'était le Santa Teresa, un rhum, voilà. Un rhum non sucré. Voilà, le Santa Teresa, Santa je trouve Teresa que. Super. T'as un côté bonbon, t'as un côté chaleureux, t'as un côté qui arrache pas la bouche, ça passe tout seul, c'est suave, ça glisse sur la langue, ça glisse dans la gorge comme ça. Ben celui-là, que ça plaise ou non, ben moi j'aime bien de temps en temps me prendre un petit Santa Teresa. J'aime bien changer complètement d'embouteilleur et partir sur les originaires, où tu as les Panama, etc., qui sont assez bien faits. Après, j'aime bien revenir sur des classiques comme le XO d'HSE. Il y a le Naisson XO aussi que j'ai connu il n'y a pas si longtemps que ça, que je trouve qu'il est vraiment. J'aime bien les rhums des fois quand ils sont un peu équilibrés. Après, c'est évident que les rhums des Barbades, j'affectionne particulièrement avec. Les Foursquare, il n'y a pas longtemps, Julien qui fait partie du groupe, qui est administrateur du groupe, pour mon anniversaire, m'a fait plaisir, m'a ramené sa 2005 et puis on a goûté la 2005. Il est bon. Pour moi, je trouve ça tellement un mélange de puissance et de rondeur, ça fait voyager, ça sent la vanille, ça sent le côté torréfié, ça me parle et je trouve ça vraiment sympa. Donc pour en venir, ouais, j'aime bien. Varier un petit peu les plaisirs et puis et passer aussi, on parle des vieux, j'arrête pas de parler des vieux, mais il y a les blancs aussi. Oui. je dirais rien. Toi, tu dis sur les blancs parce que pour toi c'est long comme le bras, mais moi j'avais. Ayant eu déjà une accroche primaire au niveau des vieux, parce que c'est ce qui m'a fait accrocher au niveau du rhum, j'ai eu plus de mal à m'atteler au niveau des blancs. Mais quand tu te bois un petit. Bon, un petit, il ne faut pas dire je tiens un petit, parce que vu le degré d'alcool, ça ne peut pas être un petit. Quand tu bois un Genesis, quand tu bois un petit, il ne faut pas, j'arrête avec les petits, parce que c'est. On va croire que ils sont pas petits. Voilà, on va croire que c'est réducteur, alors que ça ne l'est pas du tout, parce que pour moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que fait à 1710 aussi. Quand tu prends une perle, quand tu prends Montebello, la dernière cuvée qu'ils ont fait, c'est juste, pour moi, c'est juste. Très, très, très fort en alcool, mais c'est un brut de colonne qui est juste magnifique. Quand tu prends juste tout simplement un canne bleu clément, tu mets un zeste de citron, je m'en suis torché une bouteille en 3 jours à la Martinique et aussi, c'est le blanc, faut pas l'oublier, parce que le blanc, il y a une palette aromatique qui est vraiment impressionnante. Ouais. Parce que malgré le fait que ça soit juste du c'est vraiment réducteur, mais ça ne l'est pas du tout. C'est le produit le plus juste et le plus pur, à son état le plus naturel. Voilà. Tu vas t'attendre à ce que ça soit forcément un peu toujours la même chose. Quand tu pars d'un jus de canne, tu vas dire ça va sentir la canne. Mais non. Non. Moi, il y a une différence. Même en restant sur l'agricole, tu prends un Essen 52.5 et tu prends le Terrum 55. Tu vas goûter celui-là. Tu les mets les deux à côté, t'as l'impression que c'est deux rhums diamétralement différents. Mm-hmm.
diamétralement différents. D'accord. Ils sont tous les deux magnifiques. Il y en a un qui est extrêmement végétal, sur une canne fraîche, très végétale. Et il y en a un qui est fruité. Mais t'as l'impression d'avoir le fruit dans la bouche, quoi, que tu... C'est ça que j'aime bien avec le rhum, c'est qu'il y a tellement de... Ça fait tellement voyager, tu vois tellement de choses. Aussi bien du blanc, du paille, que du vieux, du très vieux. Tu passes de quelque chose de très fort à quelque chose de très sec, à quelque chose de très, très boisé, très toasté. Tu es tout le temps... Tu peux être que surpris... Des fois bien surpris, des fois bah tu fais ah oui non bon bah je suis content d'avoir juste pris un sang parce que ouais. Celle-ci je vais pas me la faire en entier, mais non, mais d'une manière générale je trouve que des fois il y en a qui évoluent. Le Nine Leaf par exemple, j'ai acheté la bouteille, quand je l'ai goûté pour la première fois, je me suis dit mais quelle connerie j'ai fait d'acheter la bouteille. J'aimais pas du tout. J'ai pas du tout aimé. La première fois que je l'ai goûté, je l'ai pas du tout aimé. Après, ça dépend de ton état d'esprit au moment, parce que tu vois déjà la deuxième fois, sur ce que tu veux goûter. La deuxième fois que je l'ai goûté, je crois 2 mois après, je l'ai pas forcément super apprécié, mais c'était pas un rejet. C'était pas un rejet catégorique. Et puis la troisième fois que je l'ai goûté pour pouvoir faire la note de dégustation que j'ai fait sur mon blog, ben je l'ai aimé. Il avait changé. Il avait, en même temps, on sait très bien que quand on ouvre une bouteille, elle évolue au cours de la dégustation aussi. Donc voilà, moi c'est... On va attaquer la dernière question, la plus retors et la plus complexe à faire, à répondre. Je vais te faire te triturer le cerveau. Là. Quel est ton podium des rhums que tu préfères ? C'est pas... Alors non, tu peux pas me dire ça. Non, tu peux pas dire ça. Si, imagine-toi. Non, tu crois qu'on me l'a jamais posé, tu te trouves dans une île déserte, t'as trois bouteilles à choisir et tu vas boire ça toute ta vie. Tu peux pas me dire ça parce que déjà, si tu veux que je te fasse un podium, tu me fais un podium de blanc et tu me fais un podium de vieux. Donc déjà, je sais que je suis un tricheur, mais bon, voilà, c'est dans ma nature, c'est comme ça. J'ai pas triché. Tant que c'est là, tu fais un podium de blanc, un podium de bleu et puis un podium de... Après, franchement, je veux vexer personne, c'est juste... D'anglais ? De vexer personne dans le sens où, pour moi, il y a beaucoup de maisons. Il y a beaucoup de choses très très bien, aussi bien en blanc qu'en vieux. Que, comme tu l'as dit tout à l'heure, réellement, ça dépend de l'humeur, ça dépend de l'envie du moment. Donc déjà, rien que sur une personne, il y a autant de variables. Donc imagine par rapport à toi, par rapport à moi ou quoi que ce soit. Après, moi, en tant que mon humble avis personnellement, je marche sur des coups de cœur. C'est-à-dire que on s'est vu déjà au Rumfest, on s'est vu au Whisky Life. Et à chaque fois, sur ces dégustations-là, parce qu'on déguste énormément de choses, je retiens en général un coup de cœur. Celui qui m'a foutu une baffe dans la gueule quand je l'ai goûté, où j'ai fait « Waouh, celle-là, je la veux. » D'accord ? Après, le truc qui va me déranger, c'est qu'il y a beaucoup de spéculation autour de cette bouteille. Et ça me dérange parce que ça devrait être plus accessible, et ça devrait être différent. Enfin, je sais pas comment... Comme on l'a dit tout à l'heure, moi, ce que j'aime, c'est le partage. Et vu le prix de la bouteille... C'est difficile, ça m'embête de la mettre dans de ne pas la mettre dans le top 3, et ça m'embête de la mettre également parce que y a un côté inabordable qui me dérange. C'est-à-dire qu'on va parler de la Destino, qui pour moi a été ma baffe dans la gueule. Parce qu'il faut être... moi je suis comme ça, hein, des fois je suis assez vulgaire dans ma façon de parler, je suis assez cru, hein, je suis nature. J'aime pas, voilà. Donc la Destino, pour moi, au niveau du Whisky Live, a été ma baffe dans la gueule. C'est-à-dire que je venais de me faire les Caroni, etc., Vélier d'un côté, et puisque c'était au fond, tu te rappelles, tout au fond, après, je m'en rappelle sur le très côté, bien. Il y avait ici les Four Square, où je me suis dit, bon, tu vas les goûter, mais t'es pas très objectif, parce que de toute façon, tu les kiffes. Et en plus, il y avait...
Richard Seed. Il y avait, ouais, il y avait, non, c'était son fils. Son fils. Qui était là. Et donc, il me sert ça, avec à côté un 2012, et puis que j'adore, un 2005, que j'adore. Et puis là, je sens ça, je fais, oh, il se passe quelque chose là. Il se passe quelque chose, rien qu'au niveau du nez. Et là, je me dis, faut pas que je sois trop à m'emballer, parce que je vais être déçu, peut-être au niveau de la bouche. Et là, quand j'ai mis en bouche, j'ai fait, là, c'est dur, ça. Ça fait partie des choses que j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait le tour, je suis revenu dessus à la fin. J'en ai repris parce que j'ai eu la chance, parce qu'il ne restait plus grand chose, parce qu'il n'avait pas grand chose non plus. Pour moi, ça fait partie du top 3. Je ne vais pas dire un top 1, 2, 3, le premier, le deuxième, le troisième, parce que c'est vraiment trop difficile. Après, ce qui me dérange, c'est qu'il y a une spéculation au niveau de cette bouteille, qu'on est sur une bouteille quand même de prix de départ, hein, et je mets des gros guillemets dessus, parce qu'on est quand même sur 169 €. Donc c'est franchement pas abordable. C'est pas permis à toutes les bourses. Pas du tout. Maintenant, je peux pas ne pas le mettre dedans parce qu'il coûte cher. Et en même temps, je peux pas l'exclure. Parce que vraiment, c'est pas parce qu'il coûte cher que je vais le mettre dans mon top 3. Et c'est pas parce qu'il est cher que je vais l'en exclure. Donc le Destino, pour moi, ça fait partie de mon top 3. Après, on va essayer d'oublier un petit peu Forswear, parce que sinon, ce serait un podium où on va me dire, ouais, t'as vu, truc, machin. Dans des choses... Pour le coup, ce serait pas Martinique. Non, c'est pas Martinique. Après, non, j'ai pensé tout de suite à un blanc, mais du coup, parce que tu m'as parlé de Martinique, mais j'en parlerai tout à l'heure, puisqu'on a dit qu'on faisait un podium vieux et un podium blanc. Ça, c'est toi qui l'as dit. Ouais, bah, je m'octroie le droit. Donc, dans les. C'est ton interview. Voilà, c'est mon. C'est moi. Donc, non, voilà. Donc, au niveau des vieux, ça. Après, j'ai eu la chance de goûter le triple millésime à la française de HSE. J'ai trouvé vraiment très bien fait. Mais je ne vais pas le mettre dans le top 3. Je voulais quand même en parler parce que c'était quand même assez. Assez sympa. Après, l'esprit, le j'ai bien aimé, c'est pas le Traveler que je pourrais mettre dedans, que je pourrais boire. Je l'ai goûté il y a pas longtemps, le Traveler. Très bien. Ouais, mais c'était pas celui-là. Franchement, il y a tellement de choses, c'est difficile ce que tu me demandes. C'est très très difficile. Ouais, je sais que c'est difficile. On va dire, allez, on se lance. Il y aura pas de Caroni. Monsieur Anticaroni. Non, c'est pas que je suis Anticaroni, c'est voilà. Donc Don Papa. Le Destino, ensuite le Don Papa, ensuite peut-être. Non, plus sérieusement. Pour moi, pour un rhum qui est abordable et qui est vraiment marquant, parce que pour moi, il est à la frontière entre le blanc et le vieux, c'est le prélude de. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Parce que t'as encore une petite idée de c'est un ado. Voilà, le prélude pour moi c'est un ado. Moi, je trouve que c'est le meilleur de la gamme Harmony. Pour moi ça a été aussi mon coup de cœur, le prélude. Malgré le fait qu'il soit moins vieux, en général on a tendance à se diriger vers des vieux qui sont un peu plus entre guillemets. Pour moi le prélude c'est vraiment un ado, il se retrouve entre du blanc et du vieux, et tu te retrouves avec des notes olfactives du blanc et des notes olfactives du vieux, et je trouve que c'est un bon équilibre. Donc pour le rapport qualité-prix, et pour parce que j'ai vraiment aussi au Rumfest, j'avais vraiment eu un petit coup de cœur pour celui-là, je vais dire le Destino, le prélude. Et pour le dernier, il y a un truc qui m'avait vraiment plu au niveau du Rumfest, c'était le TCRL Guadeloupe. Pour son côté bonbon et son côté abordable. Et j'ai bien aimé aussi au niveau... Pourtant, tu vois, ça, je vais encore faire l'apologie de Vélier, mais j'ai bien aimé l'Antigua Distillerie. L'Antigua... Alors, voilà. Qu'est-ce qui est merveilleux, celui-là. Donc voilà. Pour changer un petit peu du reste. Et pour le coup, hein, qualité-prix excellent. Voilà. Je vais mettre l'Antigua Distillerie parce que pour moi, il a été vrai côté poudre à canon, côté fort, côté. Voilà, j'ai bien aimé l'Antigua.
Après, c'est compliqué, il m'en vient plein à l'esprit, hein, les Dominus, les 2005, les 2004, le fût de chêne brut de fût HSE que j'ai eu la chance de goûter, fût de chêne français, fût de chêne américain, qui étaient tous les deux différents mais aussi très intéressants. Il y en a plein, mais on va dire que sur cette année, pour pas aller plus loin, sur cette année, ça sera le Destino, l'Antigua et le Prix. Pour du vieux. Au niveau des blancs, là tout de suite me vient à l'esprit et je peux pas l'oublier, c'est la Digue. Parce que pour moi, il a un côté extrêmement intéressant. J'aimais beaucoup le Bel Air, mais pour moi, la Digue, il est vraiment extrêmement intéressant. Donc pour le blanc, ça va aller plus vite. Donc la Digue, le Montebello. Parce que de la même façon que... Il est vraiment avec le Genesis. Le Genesis, je l'aime beaucoup au niveau parce qu'il est haut en alcool et ça te fout une sacrée baffe et que ça te secoue le cerveau. Mais le Montebello, parce que le Genesis, je l'avais déjà goûté avant, donc on va pas le mettre dans la même classification. Donc la Digue, le Montebello, et pour une simplicité, juste un canne bleu Clément qui peut passer partout. Ah, je sais pas, parce que là j'hésite avec le dernier Diamond Hand que j'écoutais avec Stacy aussi. Il est équilibré, il est sympa, mais il était moins qu'un frère. Non, on va rester simple et on va faire la Digue pour son côté un peu différent qui est pas canne fraîche. Il faut quand même un canne bleu parce qu'un canne bleu c'est quand même la base pour moi au niveau type blanche, etc. et même sec. Et le Montebello. Donc, le prélude. Je sais bien, hein, tu vois, tu m'as demandé 3, je t'en donne 6. Le prélude, l'Antigua, le Destino, la Digue, le Montebello, et pour la simplicité en même temps, le côté canne qui est vraiment très impressionnant. Alors qu'il y en a d'autres qui sont très bien anciens, hein, mais on va dire un canne bleu, Clément, basique, pour moi une base. Ah, j'adore, j'adore tout ce que tu dis. Enfin, en même temps, il y a tellement de peu de rhum que j'aime pas. Donc je peux pas en dire moins. Bah super, c'était super de pouvoir discuter avec toi. Bah, merci à toi, merci d'être venu. J'espère que vous allez réussir à aller jusqu'au bout. Bah oui, je parle beaucoup, ça c'est comme ça. En tout cas, merci à toi d'être venu chez moi et merci à tout le monde de nous suivre comme vous le faites, pour vos encouragements, pour votre engouement, continuez à bien kiffer, pour ma part, kiffer le rhum et à interagir avec les compagnons et avec les autres groupes aussi, il n'y a pas de souci. Donnez-nous vos avis, donnez-nous vos conseils, aidez-nous à grandir, pas forcément dans le nombre, mais grandir au niveau de nos connaissances et notre échange, parce que pour moi, les compagnons, c'est... avant tout et pour tout, une histoire de partage, une histoire d'échange et de convivialité. Donc, j'essaierai toujours de rester le plus abordable et le plus réactif possible dans vos sollicitations. Maintenant, quand je peux pas, dans la mesure du possible, je vais commencer aussi à aider. Voilà. Quand je pourrai pas, j'en suis désolé. Le prenez pas mal. C'est pas par un manque d'intérêt. C'est vraiment des fois, j'ai un travail à côté et des fois c'est un manque de temps ou de c'est juste une question d'organisation, mais en tout cas merci à toi Régis de faire ce que tu fais et de tes sollicitations et merci pour cette interview et merci à tout le monde de ce que vous faites au quotidien. J'y tenais de commencer par toi pour faire ce genre d'interview. Ça commence déjà bien. Tu peux rester là. Pareil. J'adore. Prise 2. Prise 2. Clap. Oh, là, on pourra faire un bêtisier. Hein. Pas de problème. Tu vois le gosse qui passe et qui peut. Le chat qui va m'attaquer, genre. Après, il est là. Oui, oui. Il est hors champ. On sait juste parce qu'il y a mon fils qui rampe pour faire je sais pas quoi. Voilà, et le chat qui va lui sauter dessus. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu fais?
Mais tu sais que tu passes à la caméra là, Raphaël. Ouais, là il est là, à la caméra. Coucou. Donc, voilà. Voilà, bah tu peux être debout maintenant, parce que de toute façon. Voilà. Le bêtisier. Donc je sais plus du tout de quoi je parlais.